Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. L'État qui là pour protéger citoyens, pour protéger citoyens, parce que l'État c'est l'État pays d'Haïti. Et chaque grain monde, nous-mêmes qui vivons dans le pays, c'est petite terre, nous sommes haïtiens. En premier lieu, l'État doit au service de nous-mêmes. Alors que, pour une raison pour l'autre, l'équipe PHTK yo construit pays en gang. Qui donc la vie, chaque grain dans nous-mêmes haïtiens, ne vient pas important encore dans la société. Et pour ne pas accepter avec PHTK. Nous tous, nous connaissons déjà PHTK, groupe gang qui était pour la bataille entre eux, qui arrive à faire un gros travail, il faut que nous disions, ils ont unifié gang ensemble, pour nous mettre gang, tout gang qui a pour en gang, ils mettent en face population. Et, il y a un exemple très clair. Vendredi 16 octobre, la veille manifestation du 17 octobre, là. Nous te connaissons, tout tollé était déjà fait dans la presse avec gang G9. Et bon côté pouvoir et gang G9 pour que la population te prenne pression pour ne pas sortir à manifester pour défendre le droit et défendre l'intérêt. Et ce qui a passé dans vendredi, c'est avec le ministre commerce là. Dans la zone Delma 2 et Delma 4. Qui a fait un théâtre? En dans théâtre, il y a l'hypothèque de les bandits. Pour t'aller tirer sur nous-mêmes qui avons manifesté. Comme l'hypothèque est allée, d'après ça, nous gagnons comme information qui sortit dans la base gang, dans la base G9 là. Comme l'État a voyé la base G9 là, ce n'est pas lui-même, quand il est comme ça, ministre commerce pour te bayo. Et M. Okounia est mécontent pour attaquer le ministre commerce là, qui est venu faire une visite dans la zone et Valerio et dans la zone Valerio Canez. Mais qui est en situation, alors que vous avez caché les bagages là, sous prétexte, le ministre commerce a été venu vérifier pour lui, et puis bandit attaqué. Qui bandit? Les G9 encore. Pour société, une fois pour toutes, pour l'histoire et pour la vérité, ministre commerce, c'est pour une question de prix qui a vérifié dans Canez Construction. C'est non ça qu'a dit. C'est comme ministre commerce a été porté par Gagno pour tirer sur manifestant, pour tirer sur manifestation 17 octobre là. Comme là, Gagno estime comme par le national de l'Ivoire, c'est pas quantité comme la ministre commerce a porté par lui. Eh bien, monsieur Pété Coquin, il a ouvert coup de zam sur le ministre commerçant et il a besoin pour nous-mêmes comme imbéciles, comme des idiots, nous venons pile l'autre bagaille et à côté de nous. Nous disons regrette ça pour vous. Cependant, en partie, ni pouvoir, ni gang G9 là, ni ministre commerçant, nous capables de dire qu'ils ont réussi en partie. Parce que ils arrivent, ils ont tiré sur nous-mêmes qui t'ont manifesté, nous avons des gens qui mourent, nous avons des gens qui blessent. Mais cependant, nous avons dit. Créons l'histoire, créons le pays ici, le pays est face. Vous n'avez pas fait, je dis à ce vous qu'associez avec Jovenel Moïse, avec Gang G9, à Baïkop, à Baïzam, pour tirer sur militants, pour tirer sur le monde qui a fait campagne ensemble avec vous en 2006, qui a permis de voter député. Vous nous dites, c'est le monde qui a fait campagne pour tirer. Et nous disons, nous prenons ça à cœur, parce que nous avons pile mon bel air. Nous avons pile mon la saline, nous avons pile mon Tokyo, etc. Nous disons, monsieur, merci beaucoup. Cependant, comme le pays a son pays qui a dirigé en mode des gangs, c'est pas pour sans raison. Nous avons gagné une guerre qui était éclatée entre gang à gang. Gang dans le secteur privé et gang dans l'État. Entre Jovenel Moïse et secteur privé et surtout secteur bancaire là. D'après ça, d'après, comme information qui sortit bon côté BRH. Secteur bancaire là, pendant une année, nous avons fait comme bénéfice seulement
dans 20 dollars américains, acheter dollars et 20 dollars, il fait 330 millions de dollars américains comme bénéfice. Dans petit pays aussi pauvre qu'en Haïti, mais vous faites 330 millions de dollars de bénéfices. Et c'est comme ça, Jovenel Vine connaît que vous faites bénéfices, non? Mais vous ne partagez pas ça avec lui, c'est pété. Ça veut dire, mais dans quelle situation nous-mêmes, peuple haïtien? Misère nous pas pour l'État, misère nous souffrance nous, pas pour le monde qui soi-disant dit autorité. Qui donc c'est nous pour continuer à assumer responsabilité nous? Les jeunes te fait 7 octobre là, nous te bravé danger en bon des salines, malgré pression qui t'a baillé, soit bon côté Genève, soit bon côté pouvoir, mais nous te prenons la rue quand même pour nous manifester. Bataille là, pour qu'on finisse. Ça, c'est un signal clair. Nous voulons bailler ni communauté internationale là, ni le président Jovenel pour nous dire 7 février 2021, nous pas perdu pas même une seconde la donne pour Jovenel lui-même qui quitter le pouvoir. Merci beaucoup. Qui ça assassiné ça d'où est-ce qu'ils sont là qui supprimer non ou bien ou que pensez à vous faire comme ça? Ils ont visité une délégation MTV Gagné. Alors pour moi, m'a dit moi très content et de visite délégation MTV qui portait solidarité avec Haïti en action dans moment ça. Et moi-même avec porte-parole là, nous te recevoir délégation et ça nous fait chaud au cœur, même si nous en grande difficulté à partir du fait que gagné un membre de Haïti en action qui était joué rôle chef sécurité, non seulement il exécuté monsieur par 15 cartouches et nous gagné Dieu seul qui s'est gérant local ça qui lui-même pour 3 cartouches. Heureusement, il est stable qu'on y a. Et n'a dit que nous voyons que la politique devient la guerre. La politique, c'est idée, c'est l'arme de la dialectique. Mais nous voyons, bagaille a changé, c'est la dialectique des armes. Et m'a dit mon bagaille, c'est que ça arrivait dans lundi soir, dans mercredi, les gars viennent, pendant que là, ils ont tiré dans la foi là. Hier, m'bat là, ils ont tiré encore. Ça veut dire que bagala continue, persécution a continué. Parce que semble monsieur qu'elle était ratée lundi, mais il voulait prendre. Et l'homme vini là, dans l'heure qu'on vini, eh bien toujours il y a des va-et-vient incessants qu'a fait. Ça veut dire que persécution a continué. Pour qui ça? Parce que n'a pas dit vérité. Même j'ai MTV a dit vérité. Dossier qu'a sorti va nous former, va nous forger. Il y a là au public tout le monde voit. Mais à l'âme de la dialectique, ils répondent par la dialectique des armes. Et c'est peut-être ça, moi, dit que je dis à solidarité sera important parce que nous tous nos besoins mettez tête ensemble pour nous dire politique là, c'est par la parole, c'est par le dialogue, c'est par la concertation, c'est pas par les armes. Zam qui là que l'État doit gagner, c'est pour arrêter Mandi. Zam qui là yo, c'est pour moun qui en infraction avec la loi. Et là encore, je suppose arrêter ou mener devant la justice. Là, Rico, comme père de Papa Katimoun, il va même mener devant la justice. Si son bail était fait, il va même reprocher, il va exécuter. Et depuis qu'il a exécuté là, il a cherché à continuer, eh bien, persécuter, ban pression. Donc dans ce sens, je pense que la meilleure façon de répondre, c'est la solidarité. Et encore une fois, je remercie. Autopsie à faire. Il y a écrit commissaire gouvernement pour autopsie. Et c'est après autopsie que nous devons fixer date funéraire là. Nous rencontrons avec famille, nous rencontrons avec toute coordination que Haïtien Action que Rico te la donne. Nous parlons avec eux. Nous attendons une réponse là pour que nous puissions fixer date funéraire. Gardien est à l'instable, il te prend 3 cartouches. Mais nous remercions tous les médecins, infirmières, personnel soignant qui étaient sous l'île dans l'hôpital là, puisque l'état stable. Ils étaient encore touchés dans le même tableau et ils sont arrivés à stabiliser. D'accord, merci. Merci. Quand c'est important, matin pour nous parler avec la presse parlée, écrite et télévisée. Nous ne pouvons pas commencer à confirmer ça. Pour nous parler avec Internet pour nous. Internet, félicitations. Créole parler, créole comprendre. Matin,
n'a commencé conférence là avec en victoire. Nous socialistes, nous fait dans la région Amérique du Sud là, les camarades nous, amis nous, Luis Arce fait dans le pays Bolivie. C'est une victoire pour Evo Morales que CIA avec système capitaliste là, avec département d'État, avec la bourgeoisie dans le pays Bolivie te jeté pour les ressources naturelles. C'est une victoire pour eux seulement. Mais c'est une victoire nous-mêmes tout en Haïti. C'est une victoire tout pour le pays dans la région en Cap-Goumet. Et c'est une victoire bien méritée. Malgré le coup d'État année passée, que le département d'État te fait avec la bourgeoisie dans le pays Bolivie, mais qu'on y a parti vraiment à l'instant qui ont été chassés sous pouvoir là pour me donner sous pouvoir là. Pour un monde comme vous, si un mec n'est pas voulu, pas qu'il a décidé, et bien ça c'est bobine. Deuxièmement, je ne viens pas avec. Je voulais dire non, qu'un plan américain qui vient pour te faire, mais je vous passe, petit dessaline classé là avec le paysien. Vous comprenez qui plan te gagne? Il y a un plan. Kembe Jovenel Moïse sous pouvoir 2022 et puis bas opposition premier ministre à gouvernement. L'entendez, récemment américain tout bon négociation qu'a fait et l'ELT dans un compte au niveau international, soit dans les Nations Unies ou dans le département d'État, un contrat fait vrai entre opposition avec secteur qui ont même parti politique qui n'a tête calée ou plusieurs partis. Et bien, qui donc, pour un plan ça, nous craser. Amérique doit prendre leçon. Notamment prendre leçon. Ou je dis, nous qu'on utilise pour parler pour eux, il n'y a pas de monde. Ou est-ce une série d'anciens d'ailleurs qu'on s'y est, il y a des terrains battants, viennent parler. Je dis, c'est une confortable. Ça bloque une femme de pays. Va y peuple en faux gouvernement, peuple connaissait pour eux, menti, c'est pas de monde qui vient folie bourgeois, qui vient folie à faire l'argent, qui vient folie à prendre pouvoir. Ou aujourd'hui, gangster économique, il va parler de banque. Gangster politique, qu'est-ce qui est sous pouvoir, qu'est-ce qui est dans l'opposition? Gangster diplomatique, qui est même dans le pays? Eh bien, nous allons tout le canal là. À partir du 17 octobre qui se passe là. Voilà, ma poule, je me demande qui ça va le faire dans le jour qui vient. C'est le bagaille. Pas de coup de zam. C'est idée qu'on discute, c'est communication politique. Attaquer nous, je ne voulais parce que Pepe Haïtien n'est pas égal encore. Pepe Haïtien a gagné tout le temps, regardez tout le monde pendant 10 dernières années, pendant 15 dernières années, pendant 5 dernières années et pendant 3 mois qui se passent. Pepe Haïtien connaît tout le monde. Pepe Haïtien connaît tout le monde qui est sénateur, tout le monde qui est président, tout le monde qui est ministre, tout le monde comme dirigeant politique. Pepe Haïtien connaît tout, oui. C'est que son victoire, le fait que nous défions les Américains. Je ne sais pas qui l'autre bagarre vient avec elle. Mais le peuple haïtien a une maturité, nous comprenons le bagarre. Ensuite, nous venons pour nous dire paysan, par rapport à ce que nous avons fait dans le grand paysan, l'amour Christophe, naissance Christophe, l'amour de Saline, date naissance de Saline, ce n'est pas célébration seulement que nous avons fait, non. Ce n'est pas commémoration seulement que nous avons fait, non. Mais nous n'avons pas de héros saillants pour nous réveiller le peuple haïtien parce que nous, les Haïtiens sont peuple veut être mémoire en bas la boue. Nous n'avons pas de mémoire des Haïtiens. Maintenant, je viens là pour me dire non, pour un mec qui est nous craser. Deuxièmement, pour 17 octobre, les Haïtiens, je vais te dire encore. C'est parce que dans la négociation, il y a un géré petit de Saline. C'est mon géré à me combattre. Après, mon abstinence, nom alors que je ne sais pas qu'on a rien. Et puis, on ne peut pas que mon compris. Il n'y a pas de temps de vérité, il y a parlé, les gens ont parlé de vérité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas menti. Et on est d'accord avec les gens qui ont menti. C'est ça que nous faisons avec les paysans. Nous, moi et Jean-Charles, nous avons un système qui est menti, c'est la vérité qui nous sauve. Après ça, vous venez annoncer tout le monde, 17 novembre, 18 novembre, mobilisation va être faite dans tout le pays. Ouais, nous-mêmes,
et pas nous pas lancer. On va parler avec quelques monde dans la société civile là pour lancer et manger même moi. Que tout secteur pour nous faire celle pour mobiliser pour nous devant l'ambassade américaine. C'est ça que je viens de dire matin. C'est ça que je viens de dire là. Je connais que mon cabal dit petit peu que je vais aller. Je connais que mon cabal dit que je vais faire mal. Nous faisons appel à tout pays pour ne pas crier devant ce qu'il y a, mais ne pas crier devant moi. 17, 18 novembre. C'est ça que je viens d'annoncer la matin. En gros, les Haïtiens attaquent le mien contre moi là. Je dis, on voit qui qualité nous n'avons pas pour attaquer. Tout donc, le système n'a pas de réserve encore. Le système n'a pas fini. Il n'y a pas de monde qui a parlé pour lui. Regardez qui qualité nous n'avons pas parlé pour lui. Monte pour l'ambassade américaine, monte pour le palais national, monte pour le secteur économique, monte pour le secteur politique. Ce sont des gens qui finissent pour lui. Il y a deux terres qui donnent son victoire pour nous, les Haïtiens. Il n'y a pas de monde qui a parlé pour eux. Et je dis, si pas il y a dit, c'est petit parole qui passe sorti là dans l'hôtel là qui veut dehors. Mais elle n'est pas aux États-Unis, elle va regarder qui qualité le monde qui a porté parole là. Je dis, je suis content. Un, si c'est le monde qui a parlé pour lui. Deux, donc je capitule. Trois, pour voir capituler, les Haïtiens descendent pays en amène. Et nous, petite Dessaline, nous reconnaissons envers nous-mêmes journalistes qui l'ont. Pour qui ça? L'État de la bonne bataille, il te dit, est-ce que la personne va tout seul? Et bien, moi, je vais prendre l'autre courant pour parler aujourd'hui. Nous, dans la conscience, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait nous. Nous avons fait nous parler de nous. Je vais faire vite pour nous. Le système n'a pas de monde qui a parlé pour lui. Et je vais prendre l'essence aujourd'hui. Comme nous, on a fini d'éliminer le secteur politique qui s'est gangster. On a éliminé le système bancaire là pour venir avec un nouveau système bancaire, même faire appel d'eau à la classe marine pour le diable. Tu es fini de décapitaliser. Et puis tu gênes l'eau. Je vais faire appel à nous. Parce que ma prête tiré gangster politique supérieur. Et puis pour faire appel à nous pour nous venir comme nouveau jet. Tu es honnête. Je ne vais pas parler des gens qui combinent. Qui en est pour nous remplacer? Classe politique, j'ai autocratie ça. Je dis, je suis content, je m'attends de vous. Et puis, il va penser que c'est politique à changer, non? Il va penser que vous dites, moi je vais faire et puis la passe, il va passer. Si nous voulons combattre moins, c'est mettre discipline la caille, non? Pas fouer, mais nous, dans la bagaille sale. Pas agir tant d'ambassadeurs toute journée. Remasser caractère, non? Et puis, pensez à la population haïtienne pour nous aider à sortir dans sa rue là, je dis. Moi-même, je viens parler avec la presse, c'est pour montrer ce qui s'est passé dans le cap haïtien avec 70% de monde qui prend échec dans le capital là, qui donc son canet, peuple haïtien, dans le cas politique là, nous voulons remiser. C'est pour remiser, pour que le peuple haïtien prenne destin en main. Ambassade, prenez note. Secteur économique point notre, la bourgeoisie point notre, secteur politique point notre, pouvoir point notre. Merci les Haïtiens. Maintenant, je vais parler avec la presse par l'écrit télévisée. Mais sans ça, qui fait m'inviter nos journalistes. Merci en pile. C'est un honneur de parler devant nous. Parce que sans nous, on ne peut pas capoter le message. Sénateur, il faut nous aussi parler de vous, pas plus tard que ce matin, parce que sénateur Roni, on y s'est au mon destin, de nous rappeler plus de son nom. Et dit aussi, porte-parole au travail de l'ambassade américaine. Donc, deux politiciens menteurs, comme on peut voir parler là, c'est des bons amis. Attendez. Un gros journaliste, tant qu'on est vous-même, quand on est un gros média, tant qu'on est. Vous mettez belle chemise, ceinture marron, pantalon, vous mettez ceinture en dans pantalon, et bien, on. Tant qu'on est vous-même, moi je suis allé en conférence et puis regardez qui les qualités non absités. C'est grave, oui. C'est grave, oui. C'est grave, oui. C'est grave, c'est grave. Même si son question à poser, sur question de là, sur question qui la jeune Moïse Bralé, sur question ça, et puis mais c'est non qui finit. Nous, politiquement parlant, nous allons être dans un conseiller, système de monde, et puis merci à venir péter là. Longtemps, longtemps, mon cher. Longtemps, longtemps. On va aller au système de radio, Dieu, le monde, la vie. Et bien, j'aime le monde. On va aller au bagage pour Haïti, parce que le monde, c'est le monde qui finit. On va passer dans le monde. C'est le bagage, bon, pas la vie, non. Vous ne pouvez pas, les questions qu'on a vues là, on peut voir qui est en place. Mais mon petit moule, mon bas, il fait l'inaugurer. Et puis, dans mon coronavirus, là, moi, tout le dernier pouvoir, qui s'est apporté comme support. On sait des petits cachets et puis on marque nos sous lui. Et puis, avec un petit, on sait des petits kings.
et puis il y a marqué non sur lui. Ça le savait. Alors c'est nous qui de Saline. Nous faisons ni avec nos pays. Même avec ça. Si pouvoir te matériel, pouvoir t'a fou dans le. Alors c'est ça nous fait. Ni pouvoir, ni secteur économique pas faire. Alors c'est pouvoir ça, tout bagaille lui prend. Ou bien faire, il nous vient. Comme on a besoin, poser action. On n'est pas capable. Et aujourd'hui, m'a tout dit ça devant la presse. Petite de Saline, quelle que soit la situation, pays en trouver là-dedans, m'a présent. Qui te demande de me dire que je suis Jérémy, ma présent. Bon matin, qui te demande de me dire que je suis présent. Nous allons être technicien sur la petite de Saline. Nous, petite de Saline, cette fois-ci, nous ne pouvons pas nous faire ici. C'est pour nous connaître bien. Si c'est mal arrivé dans la limite, il n'y a pas de monde encore. Merci à tous les Haïtiens. Qui s'en répond à des affaires qui disent que c'est pour pouvoir financer les campagnes, les Covid là, ou même dit que c'est dans le dépôt de 2019 que vous avez stocké le matériel. Qui s'en répond? Bon, mes amis, je dis. Ce matériel qui était là pour le coronavirus là. C'est pas coronavirus, non, choléra. Choléra, je pense que 2008, c'est ça? 2010, excusez-moi, 2010. Époque ça, l'homme dans le choléra, c'était déjà réalité. Alors ce coronavirus là, il faut gagner ventilateur artificiel. C'est des bagages différents. Matériel nous gagne, carbone qui nous baille en plus côté. Et bien, carbone ou bien matériel ça, yo. Bon, tellement pas que ça va être à la mode. Bon, pas que je n'ai pas dit. À partir de 2010, il y a des questions de ventilateur artificiel. Bon, nous ne sommes pas connus comme leader politique qui peut nous parler de ça. L'Alvano Canet va l'acheter. On ne peut pas continuer à comprendre. Je dis, attendez. Madame Président, admettez maintenant le coronavirus. Pour ce c'est des petits masques tout petits avec. On s'est dit qu'il n'a pas eu pour diable. Et puis nous sommes petits de Saline, nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas dans la sacrée personne, non. Vous pensez pouvoir s'en aller matériel ça. Et vous allez finir dans le pays. Vous va aller sortir dans nos zones, nous faisons notre blé, c'est petit de Saline, nous. Parce que je dis à nous, nous sommes bien, on est la pouvoir ça prend quoi? Pouvoir prendre, classe politique la prendre. Et, mais c'est bon pour la prendre. Pas que vous avez fait la paix haïtien. Vous avez fait le café. Mais moi, c'est pas grave. Pour voir même un gentil, pas grave. Nous avons un monde qui a parlé pour vous. Nous, finalement, nous avons un gentil sur les oreilles. À frapper. Compliment, génio. Et puis, je vais dans une consigne. À foutre la merde de mon pays. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.